100%, King Poto TV. Et l'on a ma casse na kata Ronaldi. Oye kangilio, defote, bana poto bana king. Bon s'abonner tout na chaîne à Vino, 100% King Poto TV. Et l'on a ma casse, nena loba akata. Ote tembe, omoniango, chaîne 100% King Poto TV. Tante! Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne de Kissa qui me permet de prendre l'antenne pour vous présenter donc un petit événement qu'on organise au train de nuit. Donc on est en train de faire un barbecue, donc tout est en train de se mettre en place et donc nous allons découvrir ce qui se passe. Donc moi j'ai oublié de me présenter, donc je suis Gilles Louis, je travaille au train de nuit depuis une dizaine d'années. Alors, donc on va faire un petit tour. Donc voici ma collègue Sarah qui est en train de préparer le pain, les merguez. Et voici mes autres collègues qui sont à côté, donc Jennifer et Maxime qui va être au fourneau. Donc on va continuer le petit tour. Voici mes deux collègues et voici des belles merguez saucisses blanches de veau qui sont en train de cuire. Les gens vont se régaler, on va faire bien sûr plusieurs tournées puisqu'il y a quand même pas mal de personnes, on est à peu près une trentaine de personnes. Donc voilà, c'est un petit apéritif qui se passe bien. Alors, Alkel, ça va, tout va bien? Ouais. Oui, t'es content d'être là? T'es content d'être là? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce moment? C'est bien? Oui. Bon, t'as faim? Oui. Eh ben c'est bien. Voilà, donc les gens commencent à avoir faim. On fait un petit tour. Il y a Monsieur Souleyman qui est ici, Manuel, Odette, Vera, Madame Pius. Voilà, il y a beaucoup de monde, des familles. Voilà, ils commencent à prendre l'apéritif. Tout va bien. Tout se passe bien, il fait beau, il y a du soleil. Manuel, tout va bien? Oui, ça va? Tout se passe bien? Manuel qui est un des anciens du train de nuit aussi. C'est un peu notre doyen. Il y a Christian qui est là-bas, on va aller voir ce bénévole. Hein? Et Gilles, tu vas passer à la télé? Qui? Bonjour Gilles. Alors voici sur 100% à la chaîne Akissa. Ah, c'est la chaîne Akissa. C'est la chaîne Akissa. Et donc on a Gilles aussi qui est un des anciens du train de nuit. Voilà, qui prend un peu de bon temps en attendant le barbecue. Ouais. J'ai très faim. Il a très faim. Je meurs de faim. Voilà, il a très faim, donc ça va arriver bientôt. On fait le maximum pour que ça arrive le plus vite possible. Là. Voilà, donc il y a pas mal de denrées un peu partout. Hein. Donc c'est une organisation de 2 à 3 semaines, même plus. Et pour l'instant tout va bien. On va faire peut-être un petit interview. Jennifer, tu voulais dire quelque chose? Je suis très contente d'être ici avec tout le monde et puis j'espère qu'on va passer une bonne journée. Voilà. Merci Jennifer. Quelqu'un voulait rajouter un mot? Daniel le bénévole? Non, je n'ai rien à dire. Pardon. Daniel, on t'écoute. J'ai rien à dire. Daniel est un peu timide, donc il s'occupe des cours de dessin depuis plusieurs années. C'est ouais, ça? C'est ça. C'est tous les jeudis? Tous les jeudis de 5h à 19h. Ouais. Claire, Marité, ouais. Et des résidents. Et des fois Monica. Monica, voilà. Merci Daniel. On n'a pas trop parlé, Gilles, en plus. Hein. Gilles, tu sais bien, t'as pas trop parlé. Pas spécialement. Je suis ravie d'être avec ceux qui ont bien voulu venir, passer du bon temps hors du train de nuit. Voilà. Merci. Merci Sarah. Vous voyez des belles salades qui sont prêtes, qui ont été préparées par mes collègues. Et voilà, donc on va retourner à nos occupations, puis on se voit tout à l'heure. Merci Guissa. Un grand merci. À toi. Cool, on va se passer sur le Elle a acheté 80 000 euros à Lyon, ça vaudrait 400 000. 80 000. C'est bien. Ah oui. Ah, moi j'hallucine. Ah mais c'est un truc. C'est très bon, monsieur Pissa. Tu as du boulot.
Ouais, vous arrivez, vous arrivez. C'est bête, bénévole. Même. Avec Marie, il est ça chauffe. Il y a merguez aussi. C'est bien équipé. Oui. T'en es assis dans. Vas-y, va là-bas. Le côté. Gloria, tu fais quoi? C'est bon? Pour les enfants, il faut que ça soit bien cuit, Gloria. Ouais. Sinon, après, il y a un mal au ventre. Il y a du plat pour rien, l'âme tombe. On donnera notre saucisse. Thomas, du volet d'eau. Ouais, je peux bonjour, vous voir un coup et manger un bout de pain. Bonjour, la télé. Oui, bonjour, c'est très intéressant ce reportage de Marité qui mange du taboulé. Mais la journée va être fantastique, il fait très beau, nous avons le soleil, des gens sympas autour de nous, donc tout va bien. C'est merveilleux. Voilà. Voilà. Merci. Merci. C'est du bon matin. Bon. Bonsoir Kinpoto TV, la chaîne Akissa. Donc on continue notre petit reportage. Donc là les merguez et les saucisses sont prêtes. Les gens sont en train de se régaler. Et on a quelques nouveaux invités qui sont arrivés entre temps. Il y a Marie notamment. Marie qui travaille au train. Kinpoto TV, Marie, s'il te plaît. Marie, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est tout. Bonjour, King Foto. Bon, bah, vous voyez, la bonne humeur règne ici. On va continuer notre petit tour. On va aller voir Shems. Shems, tu voulais dire quelque chose? Il dit rien. Eh ben, continuons. Et on va aller voir Sophie, qui voulait dire un mot, je crois. Ah, ça tombe bien. Voilà. J'avais très envie de parler. Merci beaucoup. C'est très intéressant ici sur la plage. Ce qui est important à dire, c'est que je voudrais dire, c'est dommage que Farhat soit parti en balade, parce que sinon je pense qu'il dirait au train de nuit, nous sommes une grande famille. Merci. Merci à tous. Merci à Marie. Merci à tout le monde. Merci aux merguez aussi. Merci à Daniel. Merci aux merguez d'être là. Merci aux merguez. Et surtout, ce que je trouverais très intéressant, ce serait de passer le micro à Alquette. Il avait préparé un discours, je crois. Elle est où la petite feuille? Tiens. J'en ai pas. Mais vas-y, ah, mais non. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que c'est l'atelier sandwich. Ah, oui. Mais c'est incroyable. Oh, Maïté, mais qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui? Mais du bon pain avec du bon taboulé. Pour faire un bon pique-nique, il faut une bonne baguette, une bonne sauce. Parce qu'il y a les bonnes baguettes et les mauvaises baguettes. Voilà. C'est comme les chasseurs. Voilà. Mais cela ne nous regarde pas. Je crois qu'on a tout donné. Mais je crois qu'on pourrait aller voir les Thomas là-bas. Regarde. Ah, c'est très intéressant. Ce qui est particulièrement vraiment intéressant quand on filme, c'est de filmer les gens quand ils sont en train de manger des chips. La bouche grande ouverte.
Mais pas n'importe quel chip, des chips Vico, des chips gourmandes. L'original. C'était le moment de la page pub. Car le train de nuit est sponsorisé par Vico. Avec Vico, on est plus beau. On est plus beau à Méribel. Bonjour Méribel. Bonjour le train de nuit. Bonjour Sophie, reste à côté de moi parce que du coup ça me fait un petit peu d'éléments. Hein. Donc, Congonner TV, ça 100% King Poto TV. 100% King Poto TV. Merci Kissa de nous immortaliser ce moment-là. Je suis ravi de participer à ce moment convivial de partage qui sent la merguez. Ouais, bah, je suis en short, c'est la journée du short. Et des baskets. Comment ? Le micro, il sert vraiment quelque chose ? Je ne sais pas. Oui, techniquement, je pense qu'il sert à quelque chose. Ça donne une contenance, une prestance, une présence. Du charisme du moment convivial qui est en partage entre nous. Et donc, du coup, je t'invite à refaire le tour des convives afin de recueillir leurs témoignages. Bah oui, on plaisante. En cette belle journée ensoleillée. Merci, Kissa.